Dans cette nouvelle séance de TD, nous allons utiliser le sujet du TD numéro 5. C'est encore un sujet d'entraînement avec des questions un petit peu délicates, des questions qu'on ne se poserait pas forcément dans la réalité, mais pour vous obliger à revenir encore une fois à des définitions, à prendre du recul face à toutes ces définitions, ces constructions. Donc un navire quitte le port du Guilvinec en suivant par l'arrière l'alignement au relèvement vrai 53. Les éléments de l'estime sont les suivants. Courant portant à l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 2 nœuds, dérive de 5 degrés causée par un vent soufflant de l'ouest, déclinaison 4 degrés ouest, déviation dans la courbe, vitesse surface 10 nœuds. Mesurez le cap compas à adopter pour suivre l'alignement par l'arrière. Alors quelques mots sur l'endroit où se passe cet exercice. Le port du Guilvinec est tout au sud de la carte, un peu après la pointe de Pamar, et il y a un alignement qui est tracé par le CHUM, avec un relèvement vrai au 53. Donc c'est celui-ci qu'on est en train de suivre par l'arrière. Par l'arrière, ça signifie que quand on regarde les deux amers, on regarde sur l'arrière du navire. Donc, le navire, en fait, est en train de quitter le port du Guilvinec. Et tant qu'il voit les deux amers, il peut l'utiliser pour naviguer sur l'alignement. Donc ici, on sait quelle est la route fond du navire, mais pour naviguer sur cette route fond, le navire est obligé de marcher en crabe pour compenser les effets du vent et du courant. Donc la question est de savoir ici, sachant le vent, le courant, la route fond et la vitesse surface, quel est le cap compas qu'on doit adopter pour compenser tous ces effets et rester exactement sur cet alignement. Alors avant de résoudre l'exercice avec les méthodes qu'on a vues, dans la réalité, on ne procédera jamais de cette manière-là, dans la réalité, on va commencer par prendre un cap compas en essayant de compenser les effets du vent et du courant, si tant est qu'on les ait mesurés avec les statistiques de courant par exemple, ou avec le fardage. On connaît si on est depuis quelques mois sur le même navire, et en regardant le vent relatif. Donc on prendra par exemple 5-6 degrés de cap en plus ou en moins pour compenser les effets du vent et du courant, et en naviguant, on va faire plusieurs points, toutes les 2 minutes ou 5 minutes si on est très près des côtes, un peu plus écarté en termes de temps si on est plus éloigné des côtes. Et si on voit que les points restent parfaitement alignés, bah c'est qu'on compense bien les effets du vent et du courant. Si au contraire on voit qu'on s'écarte d'un côté ou de l'autre de la route, et ben on va mettre un peu plus ou un peu moins de cap pour compenser ces effets et revenir sur la route. Une fois qu'on y est, ben on diminue un petit peu les corrections qu'on avait faites, etc. Donc on y va en réalité plus en tâtonnant qu'en prévoyant comme on le fait ici. Mais ce cours-là vous donne du recul, vous aide à aiguiser un petit peu votre intuition lorsque vous devrez choisir si vous mettez plus 5 ou moins 5, plus 4 ou moins 4 degrés de cap par rapport à la route fond tracée. Donc, pour le premier exercice, on va utiliser toujours la même méthode, la construction vectorielle, et chercher quatre éléments qu'on connaît, directement dans le texte ou indirectement, puis on va tracer les vecteurs. Donc le vecteur fond, avec ses deux paramètres, route fond, vitesse fond, c'est la somme vectorielle du vecteur surface, avec route surface et vitesse surface, et du vecteur courant, avec route du courant et vitesse courant. Alors dans le texte, qu'est-ce qu'on trouve comme paramètre qu'on puisse mettre dans cette relation vectorielle? Alors si on suit un alignement au 53, mais qu'on le suit par l'arrière, donc on est en train de faire une route fond qui est à l'opposé de ce relèvement vrai. Donc l'opposé, ça va être plus ou moins 180. Donc si je rajoute 180, ça va nous faire 233, c'est la route fond. Donc 233 pour la route fond. Le courant ouest-nord-ouest. Alors l'ouest, c'est 270. Le nord, 360. Le nord-ouest, au milieu, ça va être la moitié, donc 315. Et l'ouest-nord-ouest, c'est à mi-chemin ici, entre 270 et 315. Donc ça nous fera 292,5. Les vitesses du courant en 2 nœuds. Et les vitesses surface, 10 nœuds. Voilà, donc on a 4 paramètres. On peut commencer à faire la construction.
Ici, il y a un seul vecteur qui est connu complètement, donc on va commencer par tracer le vecteur courant. La question qui se pose ici, c'est où va-t-on commencer la construction, puisqu'on n'a pas encore de point par lequel le navire est passé ou va passer. Alors, dans la suite du texte, on nous donne un point mais c'est un point qui n'est plus sur cet alignement. Lorsqu'il a dépassé le danger, il fait route au nord. Donc on ne peut pas utiliser la suite de l'exercice pour trouver un point. Il va falloir choisir arbitrairement un point. Alors on peut le choisir dans les cailloux ici, ou plus loin sur l'alignement. On peut prolonger l'alignement. On pourrait même le choisir n'importe où. Dans l'immédiat, ce sont des vecteurs. Et ils sont, dans l'absolu, ce sont des vecteurs. Ils sont indépendants de l'endroit où on va le dessiner. Alors on va commencer par dessiner le vecteur courant et prendre sa longueur de nœud, donc sur une échelle de 1h2000. Et si je commence la construction à l'intersection du parallèle 47 degrés 45 minutes et de l'alignement ici, il faut que je trace un vecteur qui fait 2000 de longueur au 292,5. Donc la flèche est l'ouest-nord-ouest. Le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Je le mets ici sur un méridien. J'ai 280. Je tourne glisse pour aller à 292,5. Voilà. Et je peux poser la pointe de la pointe sèche pour avoir l'extrémité du vecteur. Donc voilà le vecteur courant. On va tracer le vecteur. Ensuite, on a utilisé déjà ces deux informations. Il nous reste ces deux-là à utiliser. Alors, cette information, la route fond, ça signifie que le navire est en train de naviguer sur cet alignement. Donc j'ai prolongé l'alignement pour pouvoir trouver l'intersection qui nous intéresse. Alors je mets au 53 pour être plus précis, parce que les deux phares ici sont assez proches. Donc ça c'est la route fond au 233. Et on va chercher un point situé à 10 000 pour les 10 nœuds de la vitesse surface de ce point-là, l'extrémité, la fin du vecteur courant. Et ce point doit être situé sur la route fond. Donc on va utiliser notre compas, l'ouvrir de 10 000 et chercher l'intersection. Alors je prends 10 000 avec ces compas en forme de lyre qui sont très souples, il faut être particulièrement scrupuleux si on ne veut pas avoir des erreurs d'un millimètre ou deux. Voilà, 10 000. Je plante à l'extrémité du vecteur courant et je trace l'arc de cercle. Alors ici, l'arc de cercle, il sort de la carte. Donc j'ai prolongé la route fond pour pouvoir lire la position de fin du vecteur. Alors voilà mon vecteur surface et mon vecteur fond. Donc le vecteur fond ici, le vecteur surface là. Donc pour le vecteur surface, je vais mesurer sa direction en mettant la flèche dans le même sens que le vecteur. Alors le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Là, il est sur un méridien. Et je lis entre 220 et 230, 223. Donc je peux répondre la route surface 223. Et la vitesse fond, qui n'est pas demandée mais nous servira pour l'entraînement. Et sur l'échelle des latitudes, en restant à peu près à la même hauteur, je mesure 10,9. Voilà, la question était de savoir quel était le cap du compas. Donc il va falloir corriger cette route surface
avec des roues, déclinaisons et déviations. Haute surface. 223 moins la dérive, le moins qui vient de l'opération. La valeur absolue de cette dérive, c'est 5 degrés. Il faut que je trouve son signe. Alors pour trouver le signe, je vais dessiner un navire qui se promène qui se dirige approximativement au 223. 223, c'est entre le sud et l'ouest. Donc je dessine la silhouette d'un navire qui va au 223 et le vent qui souffle en venant de l'ouest. Donc pendant que mon navire se déplace le long de son axe, il est poussé par le vent vers le sud et je dessine quelques minutes plus tard une autre silhouette de mon navire. Et derrière le navire, je peux dessiner le sillage. Si je prolonge le sillage sur l'avant, ça me donne la route surface. L'angle de dérive, par définition, c'est un angle qu'on ajoute au cap Bray pour obtenir la route surface. Donc ici, cette dérive, elle tourne dans le sens contraire des caps. On va donc lui mettre un signe moins. Donc route surface moins par moins plus 5, ça nous fait un cap Bray ou 228. On va ensuite retrancher la déclinaison. La déclinaison, d'après le sujet de l'exercice, elle vaut 4 degrés ouest. Ouest sur l'horizon, c'est un signe moins. Donc moins 4 degrés. On trouve le cap magnétique, moins par moins plus 232 degrés. Enfin, on va retrancher la déviation. En rentrant dans la courbe avec la droite de pente moins 1. Dans la courbe, je vois que l'axe vertical est gradué avec le cap compas. Ici, ce n'est pas le cap compas que j'ai, c'est le cap magnétique. Donc on va chercher le cap magnétique 232. C'est l'ordonnée à l'origine. Tracer une droite de pente moins 1. Comme on a tourné le repère, elle ne descend pas avec une pente moins 1, mais elle monte. Et je cherche l'intersection avec la courbe. Une fois que j'ai trouvé l'intersection, je trace parallèlement à la grille, de part et d'autre, pour ne pas me faire tromper par un effet d'optique. Et ici, j'ai 6,1, 6,2. Déviation de plus 6,2. Donc finalement, le cap compas sera 232 moins 6,2, donc 226, 225,8. Voilà, le cap compas à suivre pour rester sur l'alignement en compensant les effets du vent et du courant, c'est du 225,8. Pour la question suivante, lorsqu'il a dépassé les dangers, le navire fait route au nord du compas magnétique. Donc notre navire est sorti des dangers, et maintenant il prend une route vers le nord avec le compas magnétique, donc probablement un peu différent du nord de la carte. À 8h17, il observe l'alignement du phare d'Eckmühl par le phare de Menhir au 90, tandis qu'il franchit l'alignement des tourelles des Estocs et de Hargisti. Donc il croise deux alignements en même temps, ça arrive rarement, mais dans l'exercice on peut tous imaginer. Enfin, deuxième question. Préciser si la courbe de déviation est correcte pour le cap compas nord. Donner les coordonnées géographiques du navire à 8h17. Indiquer le gisement du phare d'Eckmühl à 8h17. Alors, le phare d'Eckmühl se trouve ici. Le phare de Menhir se trouve juste à la limite entre le bleu et le blanc de la carte. La tourelle des Estocs se trouve devant Guilvinec. Alors il y a Hargisti ici et les Estocs là. Voilà, donc on est sur l'alignement de ces deux tourelles et sur l'alignement des deux phares. On va tracer ça. Ces deux tourelles cardinales ouest, sud. Et les deux phares, on va essayer d'être précis parce qu'ils sont très proches à l'échelle de la carte. Ouais, j'arrive au-dessus du N de l'interdit, qui est écrit en rouge.
Donc c'est l'intersection de deux alignements. On dit qu'il y a une tolérance pour les alignements qui comptent pour deux. Donc ici c'est comme si on avait quatre amers. Il est donc tout à fait possible de dessiner le symbole du point observé. Et dès qu'on met ce symbole, on met aussitôt l'heure. L'heure est donnée dans l'énoncé ici. Donc on recopie 8h17. Alors préciser si la courbe de déviation est correcte pour ce cap compas. On a le relèvement compas de l'alignement au 90 sur la carte. On peut mesurer le relèvement des deux amers, les deux phares. Mule et le phare de menhir. Donc le petit rond plus au sud, c'est le noir. Et quand je mets le bord de la règle bien aligné sur les deux phares, je mesure. Allez, je suis entre 80 et 90, 80,5. Ici, ils sont tellement proches qu'on n'est pas très précis. On va faire avec cette valeur. Donc la variation, ce sera ZV moins ZC. Donc 80,5 moins 90, ce qui donne une variation de moins 9,5 degrés. C'est une variation observée sur l'alignement. Je vais isoler la déviation observée en retranchant la déclinaison. Donc moins 9,5, moins la déclinaison, on a dit qu'elle valait 4 degrés ouest sur l'horizon. C'est un signe plus, donc c'est un signe moins, pardon, donc moins par moins, ça va faire plus. Et finalement, moins 5,5 degrés. Voilà pour la déviation observée. Dans la courbe. Pour le cap compas 0, le navire suit le nord du compas magnétique. On lit la déviation, on va lui mettre un petit c, d indice petit c, pour le nord sur la courbe de déviation. On lit, et on est juste avant le moins 7, donc moins 6,9. Donc on voit une différence entre la déviation observée aujourd'hui à la position où se situe le navire et la déviation d'après la courbe qui était mesurée peut-être quelques années auparavant à un autre endroit du monde. Donc comme on a un écart, on considère que cette déviation d'aujourd'hui qui est bonne et on conclut que la courbe est fausse. Donc la courbe est fausse et on donne l'écart en valeur absolue, qu'importe si c'est en plus ou en moins. De moins 5,5 à moins 6,9, 1,4 degrés. Et on précise que cette conclusion est valable uniquement pour le cap compas 0, 0, 0. Pour la question 3, donner les coordonnées géographiques du navire à 8h17. Donc on a trouvé sa position à l'intersection des deux alignements. Et à l'aide du compas à pointe sèche, on va pouvoir mesurer cette position en latitude et longitude. Donc, je vais chercher le parallèle le plus proche, c'est celui-ci, et balancer le compas pour vérifier que j'ai bien pris l'écart le plus court. Je ne suis pas en train de mordre sur la ligne parce que j'avais pris un écart oblique. Quand je suis le parallèle jusqu'à la graduation des latitudes. Et je repose la deuxième pointe et je peux lire la latitude. Donc là, je suis entre le 47 et le 48. Parallèle, 47 degrés, 45, 46, 47. Et là, je suis entre 5 et 6, hein, et plus près de 6, on va dire 47,6. Donc, pour la troisième question. La position observée à 8h17. Latitude, 47 degrés. 47,6 minutes nord,
et une longitude. Même scénario, je repars de la position et je cherche le méridien le plus proche. Donc là, j'ai le méridien avec lequel je prends l'écart. Je balance pour vérifier que je suis bien à l'écart le plus court. Et je descends le long de ce méridien pour lire dans l'échelle des longitudes. Alors, là j'ai 4,15 degrés, donc 4,30 degrés, 25, 26, 26,5. 4 degrés, 26,5 minutes. Je rajoute des zéros non significatifs. Et je suis à l'ouest, puisque je vois que les graduations augmentent vers la gauche. Voilà pour la position latitude-longitude à 8h17. Enfin, indiquer le gisement du phare d'Eckmühl à 8h17. Alors, le gisement, c'est la différence entre le relèvement et le compas. Alors, on peut travailler avec le relèvement vrai, ou encore, puisque si on ajoute la même correction sur les deux relèvements et compas, relèvement et cap, on peut travailler avec relèvement compas et cap compas. C'est exactement le même gisement. Donc ici, il est plus intéressant de travailler avec les relèvements et cap compas, puisqu'ils sont donnés directement dans l'énoncé. J'ai le nord du compas magnétique, cap compas égale 0, et le relèvement compas. Donc le relèvement compas 90, le cap compas 0. Donc le gisement sera égal à 90 degrés. Alors pour distinguer les gisements des relèvements, on va toujours les précéder de bâbord ou tribord. Donc ici, il faut savoir de quel côté on mesure les 90 degrés. Comme on a trouvé un résultat positif, ça veut dire que par rapport à l'axe du navire, on est parti dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc c'est 90 degrés sur le côté tribord. On va donc précéder de tribord 90. Il se trouve qu'à tribord, c'est la même chose pour les conventions anglaises et françaises. Donc on peut répondre le gisement de l'alignement des phares d'Eckmühl et de Menhir est au tribord 90. Le navire souhaite se diriger vers le ras de Sein en suivant une route fond vers la tourelle du chat à une vitesse fond de 10 nœuds. Pour cela, il modifie son cap et sa vitesse à 9 heures. Donc déterminer le cap compas et la vitesse surface à adopter à 9 heures. Alors, quelques remarques sur cette question avec quelques pièges. Donc le ras de Sein, c'est la zone qui sépare l'île de Sein de la pointe dite du rat. Un rat en breton, c'est un courant. Et notre navire est ici à 8h17. Il veut prendre une route fond vers la tourelle du chat, qui est située là. Mais attention, à 8h17, il est là alors qu'il attend 9h pour changer sa route fond. Donc à partir de 8h17, il va falloir une construction vectorielle pour savoir quelle est la route fond entre 8h17 et 9h, et seulement après, quand on aura la position estimée à 9h, on pourra chercher la route fond vers la tourelle du chat. Donc attention, dans cette question, il y a un piège. Il y a en réalité plusieurs étapes. On ne peut pas répondre directement. Donc on va commencer par chercher la route fond entre 8h17 et 9h. Donc pour cette question 5, première partie, la route fond de 8h17 à 9h. Ceci pour trouver la position estimée à 9h. Donc il va falloir écrire la relation vectorielle où le vecteur fond est la somme vectorielle du vecteur surface. Avec route surface, vitesse surface, et du vecteur courant. Alors dans l'énoncé, on ne nous donne pas de nouvelles informations sur le courant, la dérive, donc on garde celle du début. Le courant, on a vu qu'il partait à l'ouest-nord-ouest, elle faisait 292,5 degrés, à une vitesse de 2 nœuds. Les vitesses surface. Avant 9h, on avait une vitesse surface de 10 nœuds, c'est celle du début de l'exercice, n'avait pas changé.
La roue de fond, les vitesses fond, on ne les connaît pas encore. En revanche, on peut calculer la roue de surface, parce qu'on connaît le cap compas, 0, 0, 0. Et on a calculé juste auparavant la déviation et la variation observée. Donc là, on peut rajouter la variation. On va prendre la variation observée, celle qui est la plus pertinente. Cette variation, elle valait moins 9,5 degrés. Donc plus moins 9,5. On obtient moins 9,5 degrés pour le cap vrai. Alors attention, sur la règle de Krah ou sur le compas, on ne pourra pas trouver une valeur négative. Donc il faut lui rajouter aussitôt un cercle complet, 360 degrés. Et on trouve un cap vrai qui fait 350,5 degrés. Ensuite, on va rajouter la dérive. Il faut trouver quel est son signe. On connaît la valeur absolue de la dérive dans l'énoncé, 5 degrés par vent d'ouest. Il faut trouver son signe en faisant un petit dessin. Alors, si notre navire est en route approximativement au nord et qu'il y a un vent d'ouest, pendant que le navire se déplace le long de son axe, il est poussé par le vent d'ouest, ainsi. Et si je dessine le sillage, que je prolonge ce sillage sur l'avant pour matérialiser la roue de surface, l'angle de dérive, il part du cap vrai et il tourne vers la roue de surface. Donc ici, la dérive est positive. Donc par rapport au début de l'exercice où elle était négative, elle a changé de signe parce qu'on a changé de route, on a changé le côté d'où vient le vent. Donc, j'insiste là-dessus, pensez à chaque fois à refaire le petit dessin, perdez 2-3 minutes pour éviter de perdre 5 ou 10 points. Et enfin, roue de surface égale 350,5 plus 5, 355,5 degrés. Donc maintenant qu'on a 4 paramètres, on va pouvoir commencer le tracé. Ici, il y a deux vecteurs qui sont connus complètement, donc on peut commencer à tracer ou l'un ou l'autre. Qu'importe pour le résultat. Donc ici on a un point à 8h17, autant commencer la construction dessus. Alors je vais commencer par construire le vecteur surface, 355,5 10 nœuds. Donc je prépare un compas à pointe sèche avec une ouverture de 10 000. 40 et 50. Et je commence la construction sur le point de 8h17, 355,5. Ici, le petit rond plus au sud, c'est le rouge. 355,5 est là. Donc je pose la deuxième pointe sèche et j'ai ainsi la direction de mon vecteur surface. Et sa longueur. Je peux ensuite le tracer. C'est le vecteur surface. Le vecteur courant. 292,5 à 2 nœuds. Je prépare un vecteur qui fait 2 000 de long. Et je vais commencer le tracé là où finit le vecteur surface. 292,5 du nord-ouest. J'utilise le petit rond rouge. Une fois que je suis bien calé, je pose la pointe sèche. C'est là que l'extrémité du vecteur courant. Donc je peux tracer d'une extrémité vers l'autre ce vecteur et écrire son nom. Maintenant que j'ai tracé ces quatre informations, j'ai obtenu deux côtés du triangle, du coup je connais trois sommets et je peux fermer le triangle en traçant le troisième côté. Alors ce troisième côté, c'est le vecteur fond. Et du point où j'ai commencé la construction, le point de 8h17, à l'extrémité du deuxième vecteur, je peux mesurer la longueur du vecteur fond et m'appuyer sur la pointe sèche avec la règle de Krah pour mesurer la roue de fond.
Le petit rond plus au sud, c'est le rouge. Ici, je mesure 346. Donc, route fond 346. Et la vitesse fond 10, 11, exactement 11 nœuds. Donc maintenant je vais utiliser cette vitesse fond et calculer la distance parcourue entre 8h17 et 9h. Donc le temps écoulé, ça nous fera 43 minutes, 0h, 43 minutes. Et la distance parcourue pendant ce temps-là, c'est la vitesse fond multipliée par l'intervalle de temps, ce qui nous fait 11 nœuds multiplié par 0h, 43 minutes. Alors sur la calculatrice, je peux utiliser l'outil des degrés minutes pour taper ça. 11 multiplié par 0 degrés et 43 minutes. Et voilà. 7,88333. Donc on va garder une seule décimale, 7,9000. Donc sur la carte, je vais mesurer avec le compas à pointe sèche 7,9000. 5, 6, 7, 7,9. Et en partant du point de 8h17, le long du vecteur fond, je mesure 7,9000. J'obtiens ainsi un point estimé à 9h pour mon navire, donc le long du vecteur fond. Et à partir de 9h, mon navire souhaite adopter une route fond qui le mène vers la tourelle du chat. Donc du point de 9h vers la tourelle du chat. Ici, je peux tracer cette route fond et la mesurer avec la règle de Krah. Le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Et je mesure 295,5. À 9h, une nouvelle route fond. 295,5 degrés. Et la question à laquelle on cherche à répondre, c'est déterminer le cap compas et la vitesse surface à adopter à 9h pour conserver une vitesse fond de 10 nœuds tout en se dirigeant vers la tourelle du chat. Donc on va écrire la relation vectorielle. Le vecteur fond à partir de 9h avec ses deux composantes, route fond, vitesse fond. C'est la somme vectorielle du vecteur surface avec route surface, vitesse surface, plus le vecteur courant avec route du courant et vitesse du courant. Alors on n'a pas de nouvelles informations sur le courant, donc on garde les informations initiales. 292,5 de nœuds. La route fond, on vient de la mesurer, 295,5 degrés. Les vitesses fond, on a dit qu'on souhaitait conserver une vitesse fond de 10 nœuds. Donc là voilà. On a maintenant 4 paramètres. On va pouvoir commencer la construction pour déduire les deux paramètres manquants. Route surface et vitesse surface. Donc je vais tracer le vecteur fond à 10 nœuds. Entre 50 minutes et 48 degrés. Et on va commencer la construction par exemple sur le point de 9h. Donc voilà le vecteur fond. Le vecteur courant, il fait toujours 2000 de long. Alors, je vais faire commencer sur le point de 9h, puisque vecteur fond plus est égal à vecteur surface plus vecteur courant. Et
orienter la règle au 292,5. Nous y voilà. Donc j'ai l'extrémité du vecteur courant. Je peux le tracer, il est presque parallèle à la roue de fond. Depuis la fin du vecteur fond jusqu'à la fin du pardon, la fin du vecteur courant jusqu'à la fin du vecteur fond, je peux tracer le vecteur surface. Alors ce vecteur surface, on va mesurer sa direction. Ça nous fait entre 290 et 300, 296. Donc la roue surface 296, on est vraiment tout près, c'est pas étonnant puisque les trois vecteurs sont presque collinaires. Et la vitesse surface adoptée, c'est la longueur du vecteur surface. Alors ce vecteur surface, il est ici. Et on va mesurer sa longueur en 1000 durant 1 heure, 5, 6, 7. 7,9. Nœud. Donc on a déjà la vitesse surface, mais pour répondre à la question, il faut corriger la roue de surface pour obtenir le cap compas. Donc la roue de surface 296. On va retrancher la dérive. La dérive, on n'a pas de nouvelle information, donc on garde la dérive donnée au début de l'exercice, 5 degrés par vent d'ouest. Donc on connaît sa valeur absolue, 5 degrés, et il faut trouver son signe. Alors le navire se déplace au 296, approximativement comme ceci, et il subit un vent qui vient de l'ouest. Donc quelques minutes plus tard, il a été poussé par le vent. Voilà son cap vrai. Et la roue de surface est là-haut. En partant du cap vrai et en tournant vers la roue de surface, ici la dérive tourne en sens positif. Donc elle a un signe plus. Et quand on retranche plus 5 degrés, ça nous donne un cap vrai au 291. Maintenant on va retrancher la déclinaison. Dans l'énoncé, elle valait 4 degrés ouest, donc moins 4 degrés, moins par moins plus, ça nous donne un cap magnétique au 295. Enfin, on va retrancher la déviation. On va lire dans la courbe de déviation à l'aide de la droite de pente moins 1. 295, c'est ici. On va repérer 3 points pour tracer une droite qui est bien à la pente moins 1. Plus les points sont éloignés et plus la pente est précise. Et l'intersection se situe ici. Donc on va tracer parallèlement au quadrillage pour trouver la valeur de la déviation. Alors je trouve une déviation qui fait moins 10,7. Moins 10,7 degrés. Donc moins par moins plus. Et finalement un cap compas qui nous fait 305,7 degrés. Donc pour répondre à la question 5, à 9h, il faut adopter un cap compas au 305,7. Et une vitesse surface de 7,9 nœuds. De manière à se diriger sur la roue de fond vers la tourelle du chat à une vitesse fond de 10 nœuds. À 9h45, le navire franchit l'alignement de la tourelle de La Plate par le phare de Thévenec et observe le phare de la pointe de l'Hervilly dans le gisement Tribord 128. Avec cette information,
On nous demande de mesurer le courant moyen subi entre 9h et 9h45. Et ensuite, même question entre 8h17 et 9h45. Alors ici, il y a les informations nécessaires pour effectuer un point. On a l'intersection d'un alignement qui compte pour deux amers et d'un gisement qui compte pour un amers. Ça fait bien trois amers. On va pouvoir tracer le symbole du point observé. Au préalable, il faut transformer ce gisement en relèvement. Donc le relèvement vrai, c'est le gisement plus le cap vrai. Ce gisement, il est observé à 9h45, donc après 9h. Après 9h, le cap vrai, c'est 291. Donc 291 pour le cap vrai. Et le gisement, on a dit tribord 128. Donc 128 degrés plus 291, ça nous fait 300, 400, 418, pardon, 419. C'est un résultat numérique qui est correct, mais qui n'est pas dans l'intervalle de définition des relèvements. On est allé trop loin, donc on va faire un tour en arrière en retranchant 360 degrés. Et finalement, on obtient 59. Donc le relèvement vrai sur le phare de la pointe de l'Herbilly, c'est du 59. Alors sur la carte, la pointe de l'Herbilly est ici, avec son phare. Et l'alignement qu'on nous a donné, c'est le phare de la plate, enfin la tourelle de la plate, qui se situe ici, avec le phare de Thévennec qui se situe là. Donc sur la carte, on peut tracer ce point. Donc le phare de Thévennec avec la tourelle de la plate. Et le phare de la pointe de l'Herbilly au 59. Voilà l'intersection de l'alignement et du relèvement. Comme j'ai un alignement qui compte double et un relèvement, je peux mettre le symbole du point et c'est le point de 9h45. Donc on voit effectivement que le navire qui était parti à 9h en espérant suivre cette roue de fond, il est légèrement à côté. Alors dans la première partie des questions sur le courant, la question 6, on cherche à mesurer le courant moyen entre 9h et 9h45. La difficulté, c'est qu'à 9h, on a simplement une position estimée. Donc on nous demande de travailler avec cette position estimée, mais déjà ça fausse le problème puisque si la position estimée est erronée, le courant qu'on va obtenir sera aussi erroné. C'est pour ça qu'on a après une question qui nous pose le même problème, mais en partant du dernier point observé à 8h17. Donc si on raisonne en considérant que la position estimée de 9h est correcte, il va falloir comparer le vecteur surface avec le vecteur fond réellement suivi. Et le troisième côté du triangle donnera le vecteur courant. Donc on va réécrire une relation vectorielle en travaillant entre 9h et 9h45. C'est la question 6. Le vecteur fond. Roue de fond, vitesse fond. C'est la somme vectorielle du vecteur surface avec roue de surface, vitesse surface et du vecteur courant. Alors ici, le vecteur surface, c'est celui qu'on souhaitait adopter à la question précédente. Donc 296 à 7,9. Le courant, ben on le cherche. Et roue de fond, vitesse fond, on va les mesurer sur la carte entre 9h et 9h45. Alors de 9h vers 9h45, on a suivi cette roue de fond. Si je la mesure avec la règle de Krah, je mets la flèche dans le même sens, avec le petit rond rouge sur un méridien,
mesure 288,5. Pour la vitesse fond, on va mesurer la distance qu'on a parcourue entre 9h et 9h45. Et ces distances, ça nous fait 5, 6, 7, 7,4 000. Alors, on a parcouru une distance de 7,4 000 durant 0h45 minutes. Donc on va calculer quelle vitesse ça nous fait. 7,4 divisé par 0 heure ou 0 degré, 45 minutes. Neuf virgule huit six six six, donc 9,9. Donc on a quatre paramètres connus, on peut commencer à les tracer pour trouver le dernier. Ici il y a deux vecteurs qui sont complètement connus, donc on peut commencer par celui qu'on veut. Et alors le vecteur fond, 9,9 nœuds. 50 et 60, 9,9. En partant du point de 9 heures, on mesure 9,9. Je dessine l'extrémité du vecteur fond. Le vecteur fond, le vecteur surface a une longueur de 7,9, 5, 6, 7, 7,9, en partant du point de 9h toujours, et il est orienté au 296. Le vecteur qu'on a déjà tracé, mais il partait pas du point de 9h, donc je dois le recommencer. 296. Le voilà. Donc si je dessine ce vecteur, j'ai le vecteur surface là-haut et le vecteur fond qui arrive là. Donc, je vais fermer le triangle pour avoir le vecteur courant. Et quand je suis du doigt le vecteur fond, en respectant son sens, je dois faire le même point de départ et point d'arrivée en suivant le vecteur surface, puis le vecteur courant, puisque les deux ont un signe plus, on respecte le sens de leur flèche, ce qui dit que le vecteur courant est dans ce sens-là. Donc, je peux mesurer l'orientation de ce vecteur. Une 263 pour la route du courant et pour la vitesse du courant entre l'extrémité du vecteur surface et du vecteur fond, je trouve 2,3 nœuds. Donc le courant subi entre la position estimée de 9h et le point observé de 9h45 porte au 263 à la vitesse de 2,3 nœuds. Alors on a vu que ici c'est un petit peu ambigu dans la mesure où on travaille à partir d'un point estimé. Pour faire les choses proprement, il faudrait travailler entre deux points observés. Donc c'est la raison pour laquelle dans la question suivante, on va travailler entre 8h17 et 9h45. Alors la difficulté, c'est que même si on est plus rigoureux dans cette question 7, ben on se retrouve avec un intervalle de temps dans lequel il y a deux roues de fond différentes. Donc il va falloir faire une construction vectorielle avec une roue de fond entre 8h17 et 9h,
Et ensuite, une roue de fond entre 9h et 9h45. Donc, on va tracer le vecteur surface, le vecteur fond, au prorata du temps passé, et ensuite, on fera le vecteur courant, qui durera du coup de 8h17 à 9h45. Donc là, on se retrouve avec deux échelles de temps différentes et une troisième pour le vecteur courant. Donc je vais mettre ici les directions en degrés, les vitesses en nœuds, et ensuite on va faire un prorata en fonction de la durée sur chaque route. Alors, entre 8h17 et 9h, la route surface, on l'a calculée auparavant, c'était 355,5. Et la vitesse surface, 10 nœuds. Le vecteur fond, c'était 346, 11 nœuds. Alors celui-là, on n'a pas réellement besoin, surtout la route surface qui va être importante. Et entre 9h et 9h45, on a les informations juste au-dessus. Donc pour la route surface, 296 et 7,9 nœuds. Le vecteur fond, on n'en a pas besoin. Donc je vais maintenant calculer la distance le long du vecteur surface. Donc la distance en quelque sorte sur l'eau. Donc ici, de 8h17 à 9h, j'ai 0h43. De 9h à 9h45, j'ai 0h45. 45. Donc à la vitesse de 10 nœuds durant 43 minutes, je parcours une distance de 10 nœuds multipliée par 0 heure ou 0 degré, 43 minutes et 7,2 milles. Voilà pour le premier. Première distance sur la surface en quelque sorte, et ensuite 7,9 nœuds durant 45 minutes. Ça nous fait une distance de 5,9 milles. Donc je vais tracer deux segments, c'est pas vraiment des vecteurs parce n'ont pas les mêmes échelles de temps, donc on va éviter de parler de vecteurs. Le premier, donc au 355,5, 7,2 milles. Alors je prépare la pointe sèche avec 7,2 milles. 5, 6, 7,2. Et 355,5. En partant de 8h17. Alors le vecteur surface il est ici, donc je vais juste porter la distance. Je vais déjà tracer sa direction tout à l'heure. Donc c'est en quelque sorte notre position surface. Donc je mets un point sans symbole particulier et on repart aussitôt pour la seconde roue de surface 296, 5,9. Donc je prépare le compas avec 5,9. Et 296. Deux cent quatre-vingt-seize, c'est ici. Donc voilà un deuxième point sur la surface, en quelque sorte, où je suis à 9h. Donc là, c'est en quelque sorte une position surface à 9h, et là, une position surface à 9h45. Donc voilà la trajectoire qu'on aurait suivie sur la surface. Et on ne sait pas trop comment. La trajectoire sur le fond nous emmène ici. Donc entre la position entre guillemets surface et la position fond, je peux mesurer ici un vecteur qui correspond au courant. Alors c'est un courant moyen. Et attention, ce vecteur, il est dessiné sur une échelle de temps de 1h45. Donc il va falloir faire un prorata pour trouver sa vitesse en nœuds. Déjà, je peux mesurer sa route.
Ça nous fait une route au 273. De vecteur courant avec une route courant au 273. Et une distance parcourue sur le courant en quelque sorte durant 1h45 qui fait 1, 2, 3,2. Donc la vitesse du courant, ça nous fait 3,2 milles durant 1h45. Donc on va calculer ça pour 1 heure en nœuds. 3,2 divisé par 1h45. Minute. Ça nous fait 1,8 nœuds. Voilà, donc on trouve un courant sensiblement différent, hein, surtout sur la vitesse. C'est presque le même à 10 degrés près avec la question précédente. Ensuite, on adopte un courant portant au nord à 3 nœuds. Probablement un courant trouvé dans les statistiques, comme le tableau de courant qui est disponible sur la carte. Le navire souhaite adopter une route fond entre l'île de Sein et Thévenec, passant à 1 mille du phare de Thévenec. Le navire souhaite être à 1 mille du phare de Thévenec à 10h30. Il modifie son cap et sa vitesse en conséquence à 9h45. Précisez le gisement du phare de Thévenec à 10h30. Alors, c'est une question posée de manière détournée pour en fait vous obliger à faire une construction vectorielle. Le gisement, on a vu, c'était la différence entre le relèvement et le cap. Si vous voulez mesurer le relèvement, on peut le mesurer même avec quelques degrés d'erreur. En revanche, le cap vrai, le seul moyen de le savoir, c'est de faire la construction vectorielle. Donc, on va commencer par tracer cette route qui est bizarrement décrite. Et ensuite, on va faire la construction vectorielle. Donc, à partir de 9h45. Le courant porte au nord à 3 nœuds et le navire souhaite adopter une route fond qui passe entre Sein et Thévenec à 1 mille du phare de Thévenec. Donc on va devoir tracer un cercle de 1 mille et une route qui part de 9h45 et tangente ce cercle de 1 mille à Thévenec. Et le point de tangence, on veut y être à 10h30. Donc ça nous donne un point et une heure de passage. Donc je prépare mon compas à pointe sèche avec une distance de 1 mille, approximativement à la même latitude que Thévenec. Autour du phare de Thévenec, je dois respecter une distance de 1 mille et je pars depuis point 9h45 pour tirer une trajectoire. Doit être tangente à Thévenec, à 1 mille à côté de Thévenec. Donc ça fait passer sur le Z de Rat de Sein, comme ceci. Donc je trace cette route fond. Et je mesure la valeur de cette route fond. Nous fait 315. Pour la question 8, dans les coordonnées du vecteur fond, la route fond fait 315. Alors, je vais écrire la suite de la relation vectorielle. Le vecteur surface avec route surface, vitesse surface, et le vecteur courant, route du courant, vitesse du courant. Alors, on nous a dit que le nouveau courant, il portait au nord à une vitesse de 3 nœuds.
Donc on va recopier ces informations. Nord et 3 nœuds. Alors il y a encore une information à trouver. Celle qu'on peut calculer, c'est la vitesse fond. En effet, la vitesse fond, c'est le quotient de la distance divisé par l'intervalle de temps. Or ici, on a le point de départ et le point d'arrivée, 10h30, lorsqu'on est tangent à 1 mille, le cercle de 1 mille centré sur Tevenec. Et on est tangent donc perpendiculaire à la roue de fond. Et quand on est à cette position, il est 10h30. Donc je peux mettre ici un point estimé et l'heure 10h30. Donc je connais peux mesurer la distance et l'intervalle de temps. Donc de 9h45 à 10h30, la distance qui sépare ces deux points, c'est 5, 6, 7, 8, 8,4 mille. Donc 8,4 mille. Entre 9h45 et 10h30, j'ai 0h45. Donc je peux calculer la vitesse fond. 8,4 divisé par 0h ou 0 degré, 45 minutes. Une vitesse fond de 11,2 nœuds. Donc maintenant que j'ai 4 paramètres, je peux tracer les deux vecteurs connus et fermer le triangle pour mesurer les deux derniers. Alors en partant de 9h45, on va commencer par tracer un vecteur courant, 3 nœuds au nord. Alors j'ouvre mon compas, 3000 pour 3 nœuds durant une heure, et plein nord, où je mets les deux petits ronds sur le même parallèle. Voilà l'extrémité du vecteur courant. Alors la carte commence à se surcharger parce qu'il y a plusieurs exercices qui sont réalisés sur la même zone. Donc si vous êtes emplégué par tous ces vecteurs, n'hésitez pas à effacer les tracés précédents pour le nouveau triangle. Donc voilà déjà mon vecteur courant. Et au début du vecteur courant, je vais faire partir aussi le vecteur fond. 315, 11,2. Donc je prépare mon compas à 11,2 mille, 5, 10, 11,2. Et en partant de 9h45, le long de la roue de fond que j'ai déjà tracée, je repère 11,2. Ça, c'est le vecteur fond. Donc, j'ai le vecteur courant ici, le vecteur fond qui part d'ici arrive là. Je ferme le triangle. Le vecteur surface. Alors j'ai mesuré sa longueur et faire glisser la règle le long des pointes sèches. Ça nous fait du 303, 302,5. Et la vitesse surface, je la mesure dans l'échelle de latitude. 5, 9, 9,3 nœuds. Alors en fait, c'est la roue de surface qui nous intéresse, puisqu'on va en déduire le cap. Et ensuite, on pourra les comparer avec le relèvement. Donc il faut corriger cette roue de surface pour avoir un cap vrai. La roue de surface, 302,5, moins la dérive. Donc on n'a pas de nouvelle information sur le vent, donc on conserve l'information du début de l'exercice. C'était une dérive de 5 degrés par vent d'ouest. Donc la valeur absolue, c'est 5 degrés. Maintenant, il faut trouver le signe. Alors,
Notre navire se déplace à une route surface au 302,5, donc au nord-ouest. Il y a un vent d'ouest qui le pousse, donc pendant que le bateau avance le long de son axe, il est poussé par ce vent d'ouest. Et si je dessine le sillage et à l'opposé la route surface, depuis le cap Vray vers la route surface, l'angle de dérive tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais mettre un signe plus à la dérive. Et ainsi, le cap Vray sera égal à 302,5 moins 5, donc 297,5 degrés. Là, c'est le cap Vray de mon navire entre 9h45 et 10h30. À 10h30, la position de mon navire, c'est sur la route fond. Perpendiculairement à la route fond, il y a le phare de Thévennec. Alors pourquoi perpendiculairement? Parce qu'on a dit qu'à 10h30, on voulait être à 1 mille de Thévennec. Donc comme la route fond passe par définition à 1 mille, c'est qu'on est juste au point de tangence. Donc, depuis le point de 10h30 vers Thévennec, le relèvement vrai, en fait, est perpendiculaire à la route fond. La route fond, c'était 315. Donc, ZV est égal à route fond plus 90 degrés. Ce qui nous fait 315 plus 90 degrés, 405 degrés. Alors, numériquement, c'est bon, mais c'est une valeur qui n'est pas sur la règle CRA ou sur le compas. Donc, il va falloir faire un tour complet en arrière en retranchant 360 degrés. Il reste seulement 45 degrés. Donc le relèvement vrai, c'est 45. Et finalement, je peux calculer le gisement du phare de Thévennec au moment où je passe à 1 mille, donc à 10h30. Ça nous fera relèvement vrai moins 4 vrai. Donc 45 moins 297,5. Ce qui nous fait moins 252,5 degrés. Alors je me retrouve ici avec une valeur numérique qui est négative. Alors comment interpréter ça? Pour ça, on va dessiner notre navire et on a vu que les gisements sont comptés à partir de l'axe du navire. Donc le sens positif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc si j'insigne au moins, il va falloir que je parte dans le sens contraire et que je parcours 252,5 degrés. Donc là, j'en ai parcouru 90, 180 et avant de faire les 270. Ici, j'ai moins 252,5 degrés. Donc, c'est quelque part sur tribord. Alors, je peux modifier cette valeur en faisant un tour complet, en lui rajoutant plus 360 degrés. Finalement, je vais avoir 107,5 et là, c'est effectivement l'angle que je fais en parcourant le sens positif, 107,5 degrés. Donc c'est sur tribord, je peux écrire tribord 107,5 degrés. C'est le gisement demandé à la question 8. Donc à 10h30, lorsqu'on passe exactement à 1 mille de Thévennec, le gisement sera tribord 107. Alors attention, ne pas confondre la route fond et le cap. Donc le navire à partir de 9h45 suit cette trajectoire. Mais il faut bien imaginer que notre navire, il marche en crabe pour compenser les effets du vent et du courant. Donc la route fond, on a dit c'était du 315, mais le cap Vray, c'est du 297. Donc le navire, il n'est pas le long de la route fond, il est décalé. Et il marche en crabe comme ceci. Quand on arrive à 10h30, la direction de Thévennec est perpendiculaire à la route fond, mais elle n'est pas à 90 degrés du cap Vray. C'est pour ça qu'on a un gisement qui n'est pas tribord 90, mais tribord un nombre différent. Donc voilà. Alors, soyez pas étonnés si vous êtes un peu dérouté par ces questions. J'ai volontairement cherché à poser les questions de manière originale pour vous forcer à revenir aux définitions. Voilà rapidement brossé la correction. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo en regardant les constructions et en faisant pas à pas la même chose. Et si jamais vous avez toujours des difficultés à comprendre, à poser des questions. Alors, c'est pas du tout représentatif des sujets que vous trouverez en interro ou en synthèse, hein, qui sont beaucoup plus semblables aux questions vues pendant le sujet de TD
numéro 3. Pour la prochaine et dernière séance de TD, nous aborderons une technique de positionnement dans le cas où on a un seul, parfois deux, mais pas trois amers, et qu'on veut malgré tout faire un point dans les règles de l'art. On jouera à ce moment-là sur le temps.